Bonsoir à tous et bienvenue dans Rail One. Aujourd'hui, nous sommes sur la ligne à voie métrique du NSTCM qui relie Nyon à La Cure en passant par Saint-Sergue. Nous allons vous faire découvrir le mythique petit train rouge. De façon tout à fait traditionnelle, nous débuterons avec l'histoire de la ligne et des anecdotes historiques. Nous continuerons avec une visite privée du dépôt atelier des Plantas, lieu habituellement fermé au public, tout ceci orchestré par Pascal Juira. Nous nous intéresserons à la BDE 44211, la dernière de sa génération à être conservée d'ici 2022. Enfin, Stéphanie Pontus a répondu à nos questions autour du fonctionnement de la ligne. Voilà pour la première partie, Rail One 4, c'est parti. Vous avez maintenant l'habitude, à chaque fois que nous arrivons sur une nouvelle ligne ou dans une nouvelle gare, notre chronique histoire ouvre l'émission. La ligne d'Union Saint-Sergue a ouvert en 1916, après 3 ans et demi de travaux. Aujourd'hui, de nouvelles rames arrivent sur la ligne, mais qu'est-ce qu'il s'est passé entre-temps? Étienne Bergeon et Mathis Courte vous expliquent tout et on se retrouve juste après dans le dépôt derrière moi. La ligne est apparue suite à l'octroi en novembre 1912 d'une concession pour l'exploitation d'un chemin de fer à voie métrique allant de Nyon jusqu'à la frontière française. En juillet 1916, la ligne fut inaugurée entre Nyon et Saint-Sergue. Une année plus tard, elle fut prolongée jusqu'à la frontière française comme prévu à l'origine. C'est en 1921 seulement que le chemin de fer électrique du Jura, la société française qui va exploiter La Cure-Morée, put ouvrir son tronçon et qui permit de rejoindre la gare SNCF de Morée. Le chemin de fer français prit du retard par rapport à la construction suisse, d'une part à cause de la guerre. À la fin de cette dernière, la France privilégia le tout à la voiture et le train fut condamné. Le 29 septembre 1958, la ligne fut fermée et rapidement déferrée côté français pour permettre l'élargissement de la chaussée. 1963, dans la volonté de vouloir un peu moderniser les installations du chemin de fer Nyon-Saint-Sergue et entre autres reconstruire un nouveau dépôt atelier, le chemin de fer fut menacé de suppression jusqu'en 1982. Juillet 1982, décision de la Confédération, de l'Office fédéral des transports, de maintenir l'exploitation ferroviaire et à ce moment-là d'investir pour une modernisation, ce qui fut fait avec l'arrivée du nouveau matériel en 1985. Pendant ce temps-là, 1982-1985, de grands travaux de rénovation de la voie, d'amélioration de la ligne de contact et des installations d'accueil des voyageurs furent déjà entrepris pour qu'au moment de cette transition, les conditions soient idéales. La ligne fut électrifiée dès son origine avec une tension presque unique en Suisse. Seule la ligne du Coire à Rosa avait une tension de 2200 volts continue comme celle du NSTCM. Pour l'anecdote, le Coire à Rosa a été réélectrifié en 1997 pour que les locomotives du réseau principal des chemins de fer rétiques dans les Grisons, puissent aussi y circuler.
Arrivé en 1985 et par souci un peu d'unifier notre matériel roulant avec les autres réseaux à voie métrique en courant continu de Suisse, nous passons à la tension 1500 volts. L'évolution du matériel roulant dans notre compagnie fut simple. Environ 70 ans avec le matériel d'origine, puis avec l'arrivée du matériel dit Vevey, de par son constructeur, nous avons fait une transition en écartant complètement le matériel d'origine et en n'utilisant plus que ce matériel pendant environ 30 ans. À partir de 2015, nous avons fait réception de 4 compositions Stadler qui vont permettre une modernisation complète du parc dans les années à venir. Il n'y a eu qu'une seule locomotive à vapeur. Elle a circulé entre 1914 et 1916. Elle a servi notamment à tirer la ligne de contact qui a permis l'électrification de la ligne. Alors à l'origine, comme dans la plus grande partie des chemins de fer en Suisse, toutes les gares étaient desservies avec un chef de gare. Celui-ci avait pour rôle la gestion de l'exploitation, donc le contrôle de la circulation de ces trains, avec le graphique pour s'aider, puis ensuite en parallèle la vente des billets, la comptabilité de sa gare et également le suivi des marchandises pour les envois et réceptions vis-à-vis des tiers et les bagages. Suite à la collision de 1976, la sécurité fut assurée avec des croisements systématiques dans les mêmes gares. Le personnel permanent des autres gares a été écarté. L'apport de la radio a permis de compléter ce moyen de gestion en pouvant modifier les croisements par des ordres de service transmis par ce biais. Avec les années de doute de 1963-1982, peu de travaux de modernisation ou d'amélioration ont été entrepris. Le fil de contact est resté quasiment le fil d'origine sur l'entier de la ligne pendant toutes ces années. Les gens, les riverains, avaient peu l'habitude de voir des composants nouveaux sur les lignes. Pendant cette période de modernisation, eh bien, il est arrivé effectivement qu'on a changé la caténaire pour passer au système que l'on voit encore au-dessus de ma tête actuellement, avec une caténaire windshift, donc une caténaire inclinée dans les courbes. Ce qui fait que les gens ont tout d'un coup vu apparaître des composants modernes. Et un riverain de la ligne s'est offusqué un jour et est venu à la direction en criant scandale, qu'il était honteux qu'avec les millions que la compagnie venait de recevoir, il n'y ait pas eu de fil plus moderne que de reprendre un fil rouillé pour mettre sur le territoire de la commune où il habitait. C'est comme les riverains et les citoyens qui payaient cela par leurs impôts, c'était scandaleux que ce soit rouillé. Il fallut quelques jours à la direction et à certains municipaux de la commune pour faire comprendre à cette personne que c'était du cuivre brut. Un des lieux essentiels pour assurer la sécurité des voyageurs est le dépôt atelier. Celui du NSTCM est situé au Planta, un petit peu après Nyon, pour encore quelques mois, mais nous verrons ça un peu plus tard. Nous vous proposons de le visiter avec Pascal Juira dans notre chronique Installation construite avec Nicolas Berdeau. Bonjour à vous. On se trouve actuellement devant le dépôt des Planta, dépôt qui date des années 1916, où on fait l'entretien de tous les véhicules ferroviaires d'Union Saint-Sergue. Je vais vous le faire visiter. Bienvenue à vous. Alors on se trouve actuellement dans le cœur des opérations. Cette semaine, on est en train de faire l'entretien de tout ce qui est de matériel roulant pour le service de la voie. Ici, deux wagons où on contrôle tout ce qui est frein, tout ce qui est graissage, tout ce qui est attelage. Ici, la place principale où on fait la révision des bogies. Donc chez nous, c'est une révision légère. On utilise cette place-là surtout pour faire du démontage de pièces pour envoyer à l'extérieur. On fait très peu d'opérations en interne,
si ce n'est les peintures et les changements de certains composants. Ensuite, on va se retrouver avec l'entretien pour les véhicules mensuels qui vont se faire sur la fosse qui est de ce côté-là. Vous avez plusieurs ateliers. Un atelier ici électrique où est concentré tout le stockage du matériel électrique. Là, vous avez le matériel électrique pour les véhicules de 85 et de l'autre côté, le matériel Stadler. Un local de stockage pour tout ce qui est petit matériel et consommable, ainsi que de l'autre côté, un atelier pour les installations de sécurité. La petite anecdote Union Saint-Sergue, c'est que les locaux de la halle principale ne sont pas chauffés, donc tout ce qui est composants un peu délicats à la température doivent être concentrés dans les parties chauffées. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des locaux qui ont plusieurs fonctions. Vous allez voir par la suite à quoi ça ressemble. Ici, de nouveau, un local spécifique pour faire la peinture qu'on utilise aussi comme stockage des consommables, que ce soit les peintures, que ce soit les produits de nettoyage. On a dû aussi concentrer dans ces locaux chauffés pour garantir la pérennité des produits. Nous arrivons dans la serrurerie et l'atelier mécanique. Alors théoriquement, dans un atelier mécanique digne de ce nom, les deux fonctions devraient être séparées pour éviter tout ce qui est scorie, tout ce qui est grain de meule, ça devrait être séparé. Ici, on n'a pas le choix, on a qu'un local. Ensuite, ici encore un autre local, la menuiserie, ex-menuiserie. Malheureusement, nous n'avons plus de menuisier, il n'y avait pas suffisamment de travail pour cette fonction-là. On a gardé les machines parce qu'évidemment, sur les véhicules ferroviaires et dans nos installations externes, on a toujours du bois. On a les plastiques qui sont aussi beaucoup usinés et les machines à bois vont très bien pour faire ce genre d'opération. C'est un local qui est aussi utilisé pour faire de la révision d'installations de sécurité. Ici, en l'occurrence, un treuil qui est en banc de test. On arrive ici dans le lieu où on fait les grosses révisions. Donc c'est une ligne qu'on a à disposition, une des deux lignes. Vous avez de ce côté-là la ligne où on fait les contrôles, ce qu'on appelle les contrôles mensuels, ce qui est régulier, ce qui est dépannage. Et ici les travaux à plus long terme, qui sont donc les révisions de type R1, R2, qui se font ici. C'est le seul endroit où on peut lever un véhicule, cette place-là, et pouvoir travailler dessous en ayant une surface à peu près plane. Avant, on avait ici dessous une fosse qu'on a dû boucher justement pour faire ces opérations de maintenance. Petite anecdote intéressante, le changement des véhicules entre les véhicules de 85 et les véhicules de 2015, donc les Stadler, les véhicules de 85 ont des pantographes de part et d'autre de la BE, ce qui lui permet de rentrer une composition complète en ayant la voiture pilote ici et derrière l'ABE, donc l'automotrice. Les voitures Stadler ont, elles, malheureusement, pour nous, les pantographes au milieu. Donc, on peut rentrer un véhicule Stadler à peu près jusqu'à cette position-là. Pour aller plus loin, soit on pousse avec un autre train, soit on utilise la méthode que nous avons préconisée, c'est des treuils. Donc on a là au fond un treuil avec deux renvois qui nous permet d'accrocher les trains et de les tirer à l'intérieur du dépôt pour pouvoir les entretenir. Autre anecdote intéressante, si vous n'avez qu'une Stadler ici, que vous n'avez pas d'autre véhicule pour pouvoir la sortir, il n'y a qu'un seul moyen, c'est qu'on décroche les freins et on pousse à la main. Il faut savoir que ces véhicules roulent tellement bien qu'une personne suffit à lancer le véhicule à l'extérieur, un véhicule de 80 tonnes. Alors bienvenue maintenant sous le GEM, le véhicule jaune que vous avez vu avant.
C'est assez rare qu'on puisse se trouver dans une fosse, je pense pour vous. On va profiter pour vous expliquer deux, trois composants qu'on ne voit jamais quand on est un promeneur lambda. Donc, on se retrouve sous ce GEM. Vous avez ici le chasse-corps, ce qui empêche les gros volumes de venir s'engager sous les roues pour faire dérailler le train. Ici, vous avez une balise d'arrêt automatique. Si on s'avance encore un petit peu, ben, vous avez la partie de l'essieu avec les bandages qui sont ici, le réducteur, un amortisseur ici de l'arbre creux. Ici, vous avez le moteur. Si on va un petit peu plus loin, on va trouver un des troisièmes systèmes pour arrêter un train qu'on appelle le frein magnétique. Le frein magnétique est engagé lorsque votre véhicule y part en glissade, par exemple, en faisant descendre pneumatiquement le système sur le rail, et après on active les électroaimants que vous voyez ici. Si on va un petit peu plus loin, donc ça vous donne à peu près la vision, ici on se retrouve avec le système de freinage, le type numéro 1, le freinage pneumatique. C'est un système avec ici un vérin qui va pousser le sabot de frein que vous voyez ici, qui va donner un effort de friction contre la roue directement. Ce système-là a à l'intérieur un gros ressort qu'on appelle le frein à ressort, que vous mettez en pression pour libérer le train. Le côté sécuritaire, c'est que si vous avez une conduite qui se coupe, ce frein à ressort va décharger son énergie au travers du système de renvoi et serrer à la place du piston qui est là. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur ce véhicule. Encore ici une petite spécialité, on a des brosses à rails qu'on utilise lorsque on fait du ballastage par exemple pour éviter que des cailloux viennent s'engager sous les roues. Un élément que peu de gens néophytes savent, c'est que sur un chemin de fer, on ne peut pas mettre de chaîne contrairement à un pneu. Donc pour augmenter l'adhérence, on utilise du sable qui est contenu dans le train et qui sera injecté au moyen d'un système de buse avec de l'air qui sera giclé à travers cette sablière qui va gicler le sable juste au point de contact, ici entre la roue et le rail. C'est un système très efficace pour éviter de glisser avec un train. Le matériel roulant est en plein renouvellement. 4 ABE48 de Stadler Rail sont arrivés en 2015. 6 autres arriveront d'ici la fin d'année. Ce sont les cousines des ABE24 découvertes dans le premier numéro de Rail One chez les TPF. Nous voulions vous faire découvrir les BE44 car qui dit renouvellement du matériel roulant dit forcément début et fin de service. En l'occurrence, ce sera la BDE44, partie créée avec Étienne Bergeon. Les BE44 dites Vevey seront les automotrices qui tireront leur révérence cette année. Parmi ces véhicules de 1985, nous voulions vous présenter la BDE44 numéro 211, car c'est la petite dernière de la série et que c'est la seule à être conservée. Elle date de 1991. Les BE44 201 à 205 du NSTCM ont été mises en service entre 1985 et 1986. Elles ont été fabriquées par les mythiques sociétés des ateliers de construction mécanique de Vevey et Braun, Bowery und See de Baden. Elles ont une puissance de 800 kW avec lesquelles elles peuvent facilement atteindre les 70 km/h. Pesant 33,5 tonnes et mesurant plus de 17,5 mètres de long, elles tractent des voitures pilotes comportant des places de première classe.
Ces places ont été ajoutées entre 2014 et 2015 dans ce qui était donc des BT. Les compositions types sont donc une BE et une ABT. Elles peuvent circuler en unités multiples, deux fois BE plus ABT. L'interview de Pascal Juira à découvrir la semaine prochaine a été tournée dans une de ces rames. Elle porte le fameux rouge NSTCM, ce qui entraîna au train NSTCM le surnom du « petit train rouge ». En même temps que l'ajout des premières classes, la livrée, c'est-à-dire les motifs graphiques sur le train, a été changée, supprimant le petit bandeau et les faces frontales orange, comme celle-ci, filmée par Matthias Weber. Contrairement aux ABE 4-8 de Stadler Rail AG, elles ont les faces planes. Elles possèdent un attelage semi-automatique, ce qui permet de les coupler avec les ABE 4-8. Elles sont très appréciées pour leurs pantographes placés à leur extrémité, ce qui permet de les lever en même temps afin de dégivrer la ligne de contact. En effet, le premier enlève la pellicule de givre et le second capte véritablement le courant. À l'intérieur, la BDE 211 possède 40 places assises de seconde classe et sa voiture pilote permet d'ajouter 9 places de première classe et 31 de seconde classe. Cette automotrice unique possède également un fourgon à bagages, c'est pour cela qu'un B est présent dans son appellation. Les demandes d'arrêt se font par des boutons disposés dans toute la rame, nous y reviendrons dans notre chronique portrait. La conduite se fait de manière classique avec une augmentation des touches par un manipulateur placé à droite. Pour garder une traction constante, on place le manipulateur sur le point. Si on le redescend sur le zéro, on se met en roue libre. Le principe est ensuite le même avec le freinage électrique. Nous avions déjà abordé le sujet dans notre numéro bonus Raiwan Express. Le reste des commandes sont les interrupteurs de routine, disjoncteur principal, pantographe, éclairage, compresseur, porte, arrêt demandé. Nous y reviendrons dans la chronique consacrée à un mécanicien de locomotive. Pour terminer cette première partie, nous sommes avec Stéphanie Pontus, bonjour. Bonjour Mathis. Vous êtes adjointe de direction au NSTCM. On va parler un petit peu avec vous du fonctionnement de la ligne. Mm-hmm. Alors le Covid, bien sûr, est passé par là. Mm-hmm. Vous avez eu une réduction de l'offre entre avril et mai 2020. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est redevenu comme avant? Alors effectivement, la pandémie de Covid-19 a eu un fort impact sur notre offre de transport, avec une réduction de nos horaires qui s'est faite en plusieurs étapes. À savoir donc à partir du 20 mars, donc la suppression de toutes les courses de nuit. Le 23 mars ensuite, nous sommes passés à un horaire du samedi, donc à savoir que du lundi au vendredi, les trains circulaient selon l'horaire du samedi. Et puis ensuite, à partir du 6 avril, nous sommes passés à un horaire qui était à peu près celui du dimanche, mais qui garantissait donc une cadence à l'heure entre Nyon et La Cure. Et puis le retour à la normale s'est lui aussi fait de manière progressive, avec le retour à l'horaire du samedi le 11 mai et puis le 2 juin, là c'était vraiment le retour complet à la normale. Vous êtes pas mal actif sur le plan environnemental. Une particularité que les petites lignes aussi ont, c'est l'extinction des signaux lorsque le bloc n'est pas occupé par un train. Vous avez d'autres actions sur le plan environnemental? Alors effectivement, comme vous le soulignez, donc les signaux ferroviaires sont éteints lorsque le train n'est pas sur le bloc. Mais il y a d'autres mesures effectivement qui nous tiennent à cœur sur le plan environnemental. Par exemple, les éclairages de nos gares, donc soit sur temporisateur, sur détecteur. Les luminaires, donc c'est de la technologie LED partout, cela est possible à chaque fois qu'on les remplace. Et puis une autre chose qu'on peut citer, c'est la récupération d'énergie lorsque les trains freinent. Il y a de l'énergie donc, qui est récupérée et ensuite réinjectée sur la ligne. Vous êtes actuellement en recherche de personnel, notamment des mécaniciens et chefs de circulation. Est-ce que c'est dans l'optique d'augmenter votre offre pour promouvoir les transports? Alors cette situation n'est pas propre seulement à notre compagnie, vraiment toutes les compagnies recherchent beaucoup de mécaniciens de locomotives. Effectivement oui, donc il y a toujours des besoins accrus en termes de mobilité, les gens utilisent de plus en plus les transports publics, donc effectivement on se doit d'augmenter notre offre pour répondre justement à cette demande. Un gros pas qui a déjà été fait dans cette direction, c'était déjà en décembre 2015,
où, à cette date, donc, nous avons introduit la cadence au quart d'heure, donc entre les gares de Nyon et de Genolier, aux heures de pointe la semaine. Pour terminer, vous aviez un plan de développement prévu de 2020 à 2030. Est-ce qu'il est maintenu, modifié à cause de la pandémie ? Alors, malgré la pandémie, effectivement, on n'a jamais quitté des yeux nos objectifs, même si on a dû s'adapter, apprendre à travailler différemment, accuser parfois aussi quelques retards, c'est évident. Mais on a toujours donc notre stratégie 2020-2030 qui suit son cours, avec vraiment des axes majeurs, peut-être pour n'en citer que trois, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est effectivement la construction de notre dépôt atelier ferroviaire à Trélède, le renouvellement de notre matériel roulant et puis aussi donc la rénovation et la remise à niveau de toutes nos gares et de toutes nos haltes. Merci beaucoup Stéphanie Pontus. Merci Mathis. Et puis quant à nous, c'est tout pour aujourd'hui. Deuxième partie, la semaine prochaine. Notre guide Pascal Juira a pris le temps de s'asseoir avec nous pour discuter du renouvellement du matériel roulant et pourquoi est-ce aussi important. Vous découvrirez la façon dont nous conduisons les nouvelles rames, les ABE 4-8, grâce à Olivier, conducteur polyvalent. Le centre de gestion du trafic nous a été ouvert grâce à Ludovic qui vous expliquera comment il gère le réseau ainsi que les qualités pour faire un bon chef de circulation. Enfin, nous vous ferons découvrir une grosse nouveauté qu'attend le NSTCM. Qu'est-ce que cela peut-il être ? Réponse la semaine prochaine. Notre compte Instagram n'a toujours pas changé depuis le premier jour, c'est toujours raiwan-off. Passez une excellente soirée et à la semaine prochaine.